l'Esprit de Dieu, tu es présent. Esprit de Dieu, nous t'attendons. Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Akare Baba Shakaramaya Dariba Sakaya. Imanda Raba Brasi Kataya Mande Reba Broso Korea Mama. Reba Shaya. Esprit de Dieu. Arre Baba Shakare Maya Daraba. Jésus d'entre les morts, tu es l'esprit de résurrection, tu es celui qui nous conduit dans nos destinées, tu es celui qui nous amène à voir Jésus glorifié dans nos vies, esprit de Dieu, admirable, conseiller. Saint-Esprit, c'est toi qui nous amène à prier. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. Mais toi, Esprit de Dieu, tu es là pour nous conduire. Oh, tu es là pour nous soulever. Oh, tu es là, tu es là. Esprit de Dieu, tu es honoré. Ah.
savons que rien ne peut être fait sans toi. Pour cette prière, pour ce moment, ah, Esprit de Dieu, viens prendre tout le contrôle. Sature l'atmosphère. Tu es celui dont il est écrit. Et tu nous conduiras dans toute la vérité. Saint-Esprit, tu es l'Esprit qui nous amène à comprendre, à saisir la vérité. Cette vérité qui nous a franchis. Tu es l'Esprit qui inspire les paroles prophétiques. Tu es l'Esprit qui pousse son serviteur à prophétiser. Tu es l'Esprit qui nous embrase de feu. Tu es l'Esprit qui nous inspire. Arabashaka et Rama, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Conduit par toi, Esprit de Dieu. Sans que tu nous conduises, on ne peut être dans la volonté du Père. Sans que tu nous diriges, on ne peut être dans la volonté de Dieu. Alors, Esprit de Dieu, tu es notre avantage. Esprit de Dieu, oh, tu confirmes par les miracles. Esprit de Dieu. Nous comptons, car tu es celui dont il est dit, oui. Ah, Roba Shakara Makare, Rema Raba Sakaria Manda Rabasa. Tu nous enseigneras toutes choses. Toi qui nous conduis, toi qui nous conseilles, toi qui nous révèles les choses cachées, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, mais qui ne même, sont même pas montés au cœur de l'homme. Mais toi, Esprit de Dieu, tu nous les révèles. Tu sondes même les profondeurs de Dieu. Tu es celui qui est l'Esprit de Dieu, grand, puissant, redoutable. La puissance qui a été déployée en Christ et qu'il a ressuscité et qu'il a fait asseoir à la droite de Dieu. Rabashaka, Rama, Rabasoka. L'Esprit qui a fait en sorte que Jésus ne demeure pas dans le tombeau. L'Esprit qui redonne la vie à nos corps mortels, là où il y avait des membres, là où il y avait des organes qui ne fonctionnaient plus. Esprit de Dieu, tu es le souffle de Dieu, tu es la vie. Ah, tu viens, tu rentres et tu redonnes la vie et tu es honoré. Alors, nous comptons sur toi pour nous conduire. Ah, nous comptons sur toi. Shakaramaya, Robosomanda Ramakaya, Saint Esprit, nous comptons sur toi. Saint Esprit, nous comptons sur toi. Saint Esprit, nous comptons sur toi pour réussir nos destinées. Nous comptons sur toi. Pour entrer dans la dimension du miraculeux, nous comptons sur toi. Pour entrer dans cette dimension, annoncer des démonstrations d'Esprit Saint et de puissance, nous comptons sur toi. Pour entrer dans la dimension où la puissance de Dieu sera manifestée, même au travers des plus petits. Oh, Roba Shakare Maya, où le plus petit sera humilié, nous comptons sur toi. Pour entrer dans la dimension de la moisson de la destinée, nous comptons sur toi. Saint-Esprit, nous comptons uniquement sur toi.
Esprit de la promesse, oh, nous comptons uniquement sur toi. Rima shakara ma baba ba, robo shakira ma ya raba shakara ma soka. Viens, inspirez, viens encore. Ah, Saint-Esprit, fais ton ministère. Ah, Saint-Esprit, viens encore. Saint-Esprit, à conduire, diriger. Viens encore, convaincre, viens encore avec ton feu. Viens, oh Saint-Esprit guéri. Robo Shakarama Sakariama, Esprit de puissance, nous avons besoin de toi. Esprit de force, nous avons besoin de toi. Robo Shamanda Rabakaya, nous comptons uniquement sur toi. Nous n'attendons à rien d'autre de notre personne, non. Nous attendons à toi. Nous avons juste besoin de toi. Parce que tu es notre compagnon, notre coach. Excellent, merveilleux, Esprit de Dieu. Excellent, admirable, nous comptons sur toi. Ah, viens soulever l'église dans la dimension des prières. Viens soulever l'église. Viens réveiller le peuple. Ah, viens nous déposer sur les rails de sa volonté. Esprit de Dieu, nous t'attendons. Shabare kandare makare maya. Imane remo sokare maya manda. Rimaya reba shakara mama. Robo sakaya manderia mama mashiriria. Esprit de Dieu, toi qui révèles même les choses cachées. Toi qui nous amènes découvrir le plan de Dieu avant que cela n'arrive. Toi qui nous révèles l'agenda de Dieu. Toi qui nous montres le chemin. Viens, nous comptons sur toi. Pour frayer le chemin, Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Pour la guérison des malades, ô Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Pour la dimension de la démonstration d'Esprit Saint, nous comptons sur toi. Pour la dimension d'embrasement et de feu, nous comptons sur toi. Pour la dimension des miracles et du prodigieux, nous comptons sur toi. Pour la multiplication, Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Esprit de Dieu, nous comptons sur toi, car c'est toi qui convainc des péchés, c'est toi Esprit de Dieu. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu, et c'est l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah Esprit de Dieu, tu nous rends conscients, tu nous ouvres les yeux afin que nous découvrions qui nous sommes réellement, qui nous sommes réellement en Christ, notre nouvelle identité acquise à travers le sang de Jésus, le sang de celui qui est mort pour nous, Jésus le Christ. Esprit de Dieu, toi qui fais parler les sangs, toi qui fais parler les sangs, tu es l'esprit de force, de puissance. Shabare kandarama sokorobo shaya. Nous comptons sur toi pour le jugement des autels. Ah, Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Ah, pour le feu qui embrase, nous comptons sur toi. Pour une église glorieuse, à Santa Ride, nous comptons sur toi. Pour une église capable de se donner entièrement. À Serema Chakarama. Imanerebo Sakaya, à Saint-Esprit, nous comptons sur toi pour une église soumise, pour une église engagée. Robacharamaya Mandaraba, on ne peut rien par nous-mêmes, c'est long qu'il est écrit, oui, on ne peut rien par nous-mêmes, il est réellement écrit, Seigneur, oui, et c'est la vérité, on ne peut rien sans toi.
de Dieu. Sœur de nos vies, à celui qui est le maître, à bord, Saint-Esprit, viens prendre la place, viens prendre toute la place, accorde-nous la grâce d'avoir soif, d'être rempli d'une soif, afin de continuer à chercher, à te chercher. Pour ce temps de prière, nous comptons sur toi. Pour ces 21 jours, nous comptons sur toi. Pour respirer, nous comptons sur toi. Pour les miracles, nous comptons sur toi. Pour des vies transformées, nous comptons sur toi. Pour des changements, des réalignements et des alignements, nous comptons uniquement sur toi, Esprit de Dieu, Esprit de puissance, Esprit de force, Esprit de conseil. Ah, Esprit de Dieu, nous comptons uniquement sur toi. Robo Shakarabaya, Imane Reba Karamaso, nous te disons. Sur toi, tu es désiré. Oh, nous comptons sur toi. Tu es désiré. Oh, nous comptons sur toi. Rebaka Rabashaka, Emanda Ramaya Rekatosika Manda Rebasha, Imande Remaka Remaya, Romo Sakaremaya Riakanda Remasha. Toi qui es l'Esprit qui a été avec Pierre le jour de la Pentecôte, afin qu'il fût rempli par toi, il est sorti une seule prédication, une moisson de plus de 3000 ans. Ah, Esprit de Dieu, c'est toi qui as été avec Étienne, tu as été avec Philippe, et ils manifestent l'Esprit. Oh, de puissance. Allez, camarades, chacun. Des miracles, des prodiges se manifestent à travers eux. Ah, Saint-Esprit, c'est parce que c'est toi qui les remplissais, car il est écrit qu'il fallait trouver parmi eux deux hommes remplis d'Esprit Saint, remplis d'Esprit Saint. C'était une condition, Seigneur, et tu as utilisé des hommes ordinaires remplis d'Esprit Saint, et tu en as fait des faiseurs d'exploits. Esprit de Dieu, Rabba Shaka, tu es le Seigneur de la liberté. Chakarama, tu es le Seigneur de la liberté. Remakarama, Chakariama, Mama, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Sikireba, Shamama, Ramaya, Remakariama, Mama, Subaya. Marc, chapitre 16, le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils prêchaient partout, mais le Seigneur travaillait avec eux. Et celui qui travaille avec eux, nous, celui qui travaille avec eux, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est venu en nous afin de nous amener dans nos destinées. Il confirmait la parole par les miracles, par les miracles. C'est pour cela que son serviteur a annoncé la dimension dans laquelle nous allons marcher, la dimension dans laquelle l'Église va entrer désormais, la dimension des démonstrations d'Esprit Saint et des démonstrations de puissance. Alors, bien-aimés, nous allons élever la voix, nous allons rendre grâce au Seigneur pour des multiples miracles depuis le début de ces 21 jours. Rendons grâce au Seigneur.
Seigneur, parce qu'il a déjà commencé à opérer. Il a déjà commencé à nous montrer ce qui va arriver. Et il va perfectionner la dimension des démonstrations de puissance. Élevons la voix pour les multiples guérisons, les multiples libérations, les miracles surnaturels qui sont déjà arrivés depuis le début de ces 21 jours. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu qui est capable de ces choses. Seigneur, nous te rendons grâce pour les multiples, multiples, multiples miracles que nous sommes déjà en train de voir. Ah Seigneur, Rema Karama Mama Mama merci parce que nous voyons des guérisons, des personnes qui étaient paralytiques, des personnes qui avaient des douleurs, des personnes qui avaient des maladies compliquées, incurables et qui ont été guéries. Seigneur, malgré tout ce que le diable a voulu faire dans leur vie afin de les empêcher d'entrer dans leur destinée, toi tu as étendu ton bras, tu as étendu ton bras et tu en as libéré. Seigneur, tu as guéri. Lorsque nous entendons parler de plus de 200 seulement, Seigneur, faire en un jour, nous ne pouvons que rendre des actions de grâce et dire merci, car tu es celui qui annonce la chose avant qu'elle n'arrive. Et tu dis la chose arrive, tu l'ordonnes, elle s'accomplit. Tu as annoncé la dimension de la démonstration de puissance et tu as commencé à nous faire goûter cette dimension. Bien-aimés, rendons grâce, car nous faisons partie de ceux qui vont expérimenter et qui ont déjà commencé à expérimenter cette dimension. Seigneur, nous sommes émerveillés, nous sommes dans l'attente, nous sommes assoiffés, non seulement des miracles, mais de toi. Nous te voulons toi, nous te désirons toi, et nous savons que lorsque nous te cherchons toi, tu manifestes la dimension que tu as annoncée, la dimension d'Esprit Saint, la dimension de puissance. Et là, Seigneur, tu as déjà commencé à faire, et nous voyons les miracles, nous voyons les prodiges qui accompagnent ces temps de prière, ces 21 jours. Ceci est pour nous montrer que c'est toi qui feras au-delà de tout ce que nous pouvons demander, infiniment au-delà. Tu le feras car tu en es capable. Tu as dit dans ta parole, j'agirai et qui s'y opposera? Tu as commencé à agir. Aucun sorcier n'a pu empêcher la libération des captifs depuis le début de ces 21 jours. Aucun esprit n'a pu résister. Nous le croyons, Seigneur, car la parole que tu envoies guérit. Tu as dit, Abba, oui, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, et tu les fais échapper de la fosse. Tu en as fait échapper de la fosse déjà. Et nous te rendons des actions de grâce. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Merci pour les multiples témoignages. Merci, Abba, parce que cela témoigne que tu marches avec nous. Et nous t'avons cherché dès le premier jour. Seigneur, nous avons dit, si tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Si tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas avancer. Mais tu es là et tu témoignes que tu es là. Car la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles. Seigneur, c'est que tu es là en train de travailler avec nous, en train de travailler avec ton serviteur, avec ton église, au milieu de nous. Tu es en train de libérer les destinées. Tu es déjà en train de sortir, Seigneur, des captifs de ton. Tu es déjà en train d'ouvrir les sépulcres. Tu es déjà en train de guérir les malades. Seigneur, merci de nous faire déjà rentrer dans la dimension des guérisons. Cela, c'est une grâce. Car le sang de Jésus a coulé pour notre libération. Le sang de Jésus a coulé pour notre rédemption. Et la Bible dit que nous avons la rédemption par le sang. Merci, Abba. Merci. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang qui a parlé déjà depuis le début de ces 21 jours. Qui a parlé et nous voyons des guérisons. Nous voyons des guérisons. Nous voyons des miracles. Robo Shekerema Kataya. Rababo Shakaria. Nous te rendons grâce. Et tu as fait des grandes grâces au Seigneur. Pour des multiples miracles. Seigneur, comment ne pas s'arrêter un moment et dire merci. Déjà pour ce que tu es en train de faire. Car nous savons que tu n'as fait que commencer. Tu ne fais que nous montrer la dimension.
dimension dans laquelle nous allons désormais fonctionner. La dimension, et si nous avions commencé, c'est que tu vas augmenter. Nous allons aller de gloire en gloire. Nous allons aller de dimension en dimension, car tu es le Dieu qui nous attire à toi et qui cherche et qui agrée ceux qui le cherchent. Tu as dit, cherchez-moi. Oui, et vous me trouverez. Oui, si vous me cherchez de tout votre cœur. Rebabababa, rekeremacha, rekandarababa, roboshandarabasaka. Alors reçois nos actions de grâce. Reçois nos actions de grâce pour ce que tu as fait depuis le début de ces temps de prière. Merci pour les cœurs guéris. Merci pour les cœurs réconfortés. Merci pour les soucis que tu as déjà ôtés. Merci pour les parents, Seigneur, que tu as guéris. Merci pour les familles, Seigneur, où tu as amené déjà la paix. Merci pour ce que tu as commencé à faire dans les nations. Merci pour les réalignements divins que tu as annoncé et que tu as déjà commencé à opérer. Robo Shekeremai, Iba Remanda Rebosha, Ika Remanda Rebababo Shorubasa, Erekaya Babo Shodorobosha. Ah, nous ne pouvons rien sans toi. C'est pour cela que nous comptons uniquement sur toi. Nous comptons uniquement sur le Seigneur, l'Esprit, le Seigneur de la liberté, le Seigneur de la vie, le Seigneur de la guérison. Robo Shekeremaya. Merci, Seigneur, merci pour ce que tu es en train d'accomplir à travers ton bras, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de résurrection. Ramakareba Sharamaso, Imane Reba Karamaya Riamandara, Sharema Karemaya Nerebo Shaya, Rabababa, Saint-Esprit, Achereba. Comptons sur toi. Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Bien-aimé, fini le temps où c'était une poignée. Son serviteur a annoncé que ce sera une armée qui marchera dans la dimension du miraculeux. Une armée, pas une poignée. Il n'y aura plus de vedettes, mais il y aura une armée qui marchera dans la dimension du miraculé. Ce sera la dimension de l'évangélisation exponentielle. C'est ce qui a été annoncé. Parce que lorsqu'il y aura des miracles, lorsqu'il y aura des prodiges, cela attirera le monde. Alors, bien-aimés, demandons au Père de nous accorder la grâce d'opérer dans la dimension d'Esprit Saint et de puissance partout où nous sommes établis. Élevons la voix. Seigneur Makarebacha, nous venons à toi et nous voulons, Seigneur, demander cette grâce que tu as annoncée. Confirme la parole de ton serviteur. Confirme ce que tu as annoncé. Confirme Rekarabacha, Ramakate Rabacha, Ikamanda Rabacha. Ah, Seigneur, confirme, confirme la parole qui a été annoncée. Fini le temps où c'était une poignée, ce sera une armée qui marchera dans la dimension du miraculeux. Ce sera la dimension de l'évangélisation exponentielle. Ce sera la dimension où des milliers et milliers verront, verront des miracles, des prodiges se manifester dans les corps, les paralytiques marcher, les aveugles voir. Seigneur, nous avons déjà commencé à voir ces dimensions à travers les témoignages. Marekato Robosha, Rikamana Rababosha. Lorsque tu annonces, Seigneur, que le plus petit sera un millier, cela ne peut pas être possible, comme tu nous as enseigné par ton serviteur, sans la dimension des démonstrations d'Esprit Saint et de puissance. Accorde-nous la grâce de fonctionner, de travailler dans cette dimension. Réveille-nous, réveille-nous, réveille-nous d'une grâce, d'une grâce, d'une grâce de démonstration d'Esprit et de puissance. Réveille-nous d'une grâce, des démonstrations d'esprit et de puissance. Reketea, roba
Ashaka manda rebosa, rekeria manda rebosa. Ainsi, tu verras de nous des portes d'entrée dans la dimension du surnaturel. Des portes d'entrée pour plusieurs qui reviendront à toi. Seigneur, fais de nous des témoins crédibles, des témoins crédibles. Rekanda rababa shaka, rebosaya. Fais de nous ce peuple qui opère dans cette dimension que tu as annoncée. Parce que tu l'as annoncé, nous nous croyons. Et si nous croyons, nous sommes en train, Seigneur, de demander la grâce, de voir cela se manifester. Accomplis la parole de ton serviteur. Accomplis ce que tu as annoncé par la bouche de ton serviteur. Car c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ton serviteur a annoncé cela de la part de ta part. Alors, Abba, par ton esprit, accomplis. Rekate remacha, rekandeja. Fais de nous des sujets d'étonnement. Accorde-nous la grâce à être des sujets d'étonnement par cette dimension des démonstrations d'Esprit Saint. Bien-aimés, supplions, supplions pour que cette grâce soit manifestée. La dimension des démonstrations d'Esprit Saint où le Seigneur fait de nous des sujets d'étonnement par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, par une créativité hors pair. Arekorobosha, Rekayama, des conseils surnaturels. Remake Rebacha, notre Dieu est puissant en conseil. Notre Dieu est puissant en conseil, puissant en action. Marekotoya, Seigneur, amène-nous dans cette dimension. Démonstration d'esprit, ah, et démonstration de puissance. Télécharge sur mon frère. Télécharge sur ma soeur, télécharge sur l'église, cette dimension, un niveau de sagesse, un niveau de splendeur par le Saint-Esprit. La clé, c'est toi, Esprit de Dieu. La clé, c'est toi, Saint-Esprit. Maroba Chaka, Père, accorde-nous la grâce de lui obéir. Accorde-nous la grâce de nous donner tout entier à lui. Accorde-nous la grâce de ne rien laisser en nous qui gangrène notre relation avec la personne la plus importante. La clé de la dimension, de la dimension des démonstrations d'Esprit Saint et de puissance. Oh Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Et des puissances, nous comptons sur toi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de puissance, nous comptons sur toi. Réveille l'Église d'une dimension, d'une grâce, la grâce de fonctionner, la grâce d'opérer avec une sagesse surnaturelle, d'opérer avec une parole de connaissance, d'opérer avec des miracles, des prodiges. Ah, Saint-Esprit, oh, uniquement, oh, sur toi. Robo Shababa Bayarabaya Kaya. Ah, nous comptons sur toi. Tu es la clé, tu es la clé. Esprit de Dieu, ah, nous te laissons la place. Nous avons décidé de ne rien garder et de te laisser à régner. Viens régner, Marobosha, Rekamada Rabasa. Viens prendre les commandes de nos vies, Esprit de Dieu. C'est Manda Rebasha. Oh, nous comptons sur toi pour cette dimension. Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Cette dimension, ah, Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Robo Shamana Rabba, nous comptons uniquement sur toi. Nous comptons sur toi. Dans le psaume 11, il est écrit au verset 6, il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Il les expose au vent brûlant. Il les expose au vent brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. Bien-aimés, Dieu est capable de faire pleuvoir du charbon,
du feu et du souffle sur tous ces ennemis de notre destinée. Et plus particulièrement, les autels sataniques qui retiennent les destinées des nations. Là où nous sommes établis, parce que le Seigneur nous a établis, et il est écrit dans la parole que j'étais établi pour arracher. Oh, bien-aimé, toi et moi, nous avons été établis afin que nous soyons des instruments par lesquels le Seigneur passe afin de juger les autels sataniques. Alors nous voulons élever la voix et proclamer le jugement par le feu des autels sataniques qui retiennent les destins des nations où nous sommes établis. Élevons la voix et proclamons le jugement. Le jugement. Ah, nous proclamons le jugement par le feu des autels sataniques qui retiennent les destins des nations. Ah bah, là où l'ennemi a dressé des autels de mort, là où il a dressé des autels sataniques, Seigneur, afin d'enfermer les destins des nations et de les empêcher de pouvoir rentrer dans leur destinée. Partout nous sommes établis. Bien-aimé, élève la voix là où tu es établi. Rekamanda Rebacha, Ramaka Ramayaka, Emane Reboshaka. Nous décrétons, déclarons le jugement par le feu, par le feu, par le feu des autels sataniques qui retiennent les destins des nations dans les territoires où nous sommes établis, en Amérique du Nord, en Afrique, ah Seigneur, en Europe. Nous déclarons dans les Caraïbes, ah là où tu es connecté, le feu, le feu, le feu, fais pleuvoir un feu du charbon, du feu, du soufre, du charbon, du feu, du soufre. Seigneur, ces autels sataniques chargés de détruire les nations, d'amener des maladies incurables, d'amener des maladies incurables, d'amener la mort, d'amener la paresse. Allez, réclamations envoyées pour bloquer les destins des enfants de Dieu et bloquer les destins des nations où ils sont. Dans le nom de Jésus, nous envoyons le feu. Envoie le feu. Chaka. Le Seigneur exerce son jugement par le feu. La Bible dit que c'est par le feu que l'Éternel exerce ce jugement. Seigneur, exerce ce jugement. Areba Shakaya, juge-les par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Seigneur, nous voulons ton feu, ton feu sur les autels sataniques qui retiennent les destinées des enfants de Dieu, qui retiennent les destinées des nations, là où les autels sataniques par les guerres civiles, là où les autels sataniques par les guerres civiles, dans le nom de Jésus, en Afrique, là où les autels sataniques par les complots, par le coup d'état, par le complot, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous envoyons le feu, jugement, par le feu, par le feu. Seigneur, c'est par le feu que tu exerces ton jugement. Rekarababa, Shekerebakaya, Remaso Kataya. Seigneur, nous les voyons en déroute, en déroute, en déroute. Ces hôtels sont détruits et les démons sont en débandade. Les démons des rébellions, les démons suceurs de sang, Marekatosha, bloqueurs des destinées. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous vous coupons la tête. Reba Shaka, envoyons le feu. Dans le nom de Jésus, Rekanababa, Araba Shereba, Yarababa, Nariaba, envoyons le feu. Shaka Ramaba, Yareba, Shereba, Re, envoyons le feu. Nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons dans les camps de ceux qui bloquent la destinée des enfants de Dieu, les sorciers qui ont dressé des autels afin de dire tu ne passes pas. Le feu, le feu, le feu, le feu. Jugement par le feu, jugement par le feu. Seigneur, il rôtissait dans le feu, il rôtissait dans le feu.
Makarebarosha, Remakarababa, de Rebashakaya. Seigneur, nous déracinons en nous tenant dans le sang. Nous déracinons, déracinons. Seigneur, tout ce que l'ennemi a planté dans les nations afin de bloquer, d'empêcher les sorts économiques des nations, afin d'empêcher, Seigneur, certains pays de sortir de la pauvreté. Seigneur, dans le nom de Jésus, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Il rôtissait dans le feu les esprits qui se tenaient sur ta destinée et qui disaient que tu ne passes pas. Mais il est écrit que ton Dieu est aussi un feu dévorant. Et s'il est aussi un feu dévorant, c'est lui qui envoie la terreur devant toi. Il a dit, j'enverrai la terreur devant toi. J'écraserai devant toi tous tes ennemis. Seigneur, quels que soient les adversaires qui ont dressé les autels sataniques devant, devant nous et dans les nations. Seigneur, ils tombent, ils tombent, ils sont écrasés. Rôtis par le feu, par le feu. Jugement par le feu, jugement par le feu, jugement par le feu, jugement par le feu. C'est du charbon, c'est du feu. Le souffle qui descend sur eux, arrêt-carré-bocha, comme un vent brûlant. Il y a un vent brûlant qui souffle sur les autels sataniques. Un vent brûlant souffle sur les esprits menteurs, les esprits séducteurs. Marekerebashaka, Marekatasaya, les bloqueurs des destinées des nations. Ah, nous envoyons, nous envoyons, nous envoyons. Il est écrit dans Zacharie, chapitre 9 et le verset 11. Pour ce qui te concerne, à cause de l'alliance conclue avec toi par le sang, je vais faire sortir les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Ah. Il dit, je vais faire sortir les captifs de la fosse à cause de l'alliance. Quelle alliance? Nous, nous avons une alliance conclue par le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, par le sang de la rédemption. Nous avons la rédemption par le sang puissant, le sang capable. Oh, ah, de détruire l'armée de l'ennemi. Ils ont été dépouillés. Et la Bible dit que vous les avez vaincus par le sang. Ah, bien-aimé, si nous avons triomphé par le sang, nous voulons élever la voix. Demandez au Père, à cause du sang de Jésus, de faire sortir, de délivrer, de faire sortir de toute force satanique, les enfants de Dieu, de toute force satanique dans lesquelles leur destinée était emprisonnée. Là où ta destinée était emprisonnée, la destinée des membres de ta famille, nos destinées enfouies. Bien-aimés, nous allons élever la voix, car le Seigneur dit, je vais faire sortir les captifs. Je vais faire sortir les captifs. Alors nous allons élever la voix et commencer à décréter, à déclarer, en nous tenant dans le sang, et le sang, plaidons le mérite du sang pour la sortie des captifs. Shama mama marebocha, rebabocha, baba, fais-les sortir. Nous déclarons que les prisons s'ébranlent en nous tenant dans le sang. On s'ébranle, à nous tenir dans le sang, les prisons s'ébranlent. Nous plaidons les mérites du sang, nous plaidons les mérites du sang. Seigneur, tu les fais sortir, tu les fais sortir de la fosse, tu les fais sortir des tombes, tu les fais sortir des tombes. Que toute tombe qui te retenait captif, qui nous retenait captif, qui retenait les destinées des enfants de Dieu, soit ouverte, oh maintenant, au nom de Jésus, les tombes. La destinée des enfants de Dieu. Nous commandons leur destruction. Nous commandons leur destruction. Nous commandons leur destruction dans le nom de Jésus. Décrète, car tu es élevé avec Christ. Tu es élevé
Et la position élevée, c'est la position de commandement. Reba Shakataya. Quelle assurance nous avons pour décréter? Nous sommes dans le sang. Seigneur, merci pour le sang. Nous nous tenons dans le sang. Nous décrétons, déclarons dans le nom de Jésus la libération des captifs pendant ces 21 jours. Seigneur, la destinée, les destinées, les destinées, les destinées déliées, les destinées qui étaient emprisonnées, les destinées qui étaient dans des forces. Sortent, 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 sortent. De la même façon qu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, croyant que sa destinée a été finie, croyant qu'il n'y avait plus d'espoir, toi, tu étais celui qui était avec lui. Ah Seigneur, oui, tu l'as délivré de la fosse, tu l'as délivré des lions, tu l'as gardé et sa destinée a été manifestée. Seigneur, sors ceux qui sont victimes des complots. Des complots emprisonnés ou encore des complots pour les étouffer. Seigneur, libère Rabba Shakara, Rebosha, fais les échapper du filet des loiseleurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, à cause du sang, que tout te tombe, qui te retenait captif, qui nous retenait captif, qui retenait les destinées de nos enfants, les destinées des membres de nos églises, les destinées de nos familles. Que ces tombes soient ouvertes maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, prophétise, tu as dit dans ta parole, prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel Seigneur, c'est toi qui as dit, je vais ouvrir vos tombes, je vais ouvrir vos tombes, et je vous en ferai sortir, tu as dit, je vais ouvrir vos tombes, et je vous en ferai sortir, là où la destinée de certains ont été enterrés dans les villages, enterrés dans les cimetières, enterrés dans les maisons des sorciers, dans les maisons des enchanteurs, dans le nom de Jésus, nous déclarons, en nous tenant dans le sang, Seigneur, la sortie, la libération, la sortie, dans le nom de Jésus. Abba, délivre du piège de l'oiseleur, délivre du piège de l'oiseleur. Arrebabo shamama, nereba shararaba kanara, délivre, Abba. Et tu es en train de prier, bien-aimé. Nous supplions, déclarons, décrétons, plaidons les mérites du sang pour la libération des destinées qui sont captifs dans les forces sataniques. Reba Kataya, Remacha, là où les sorciers des familles étaient assis, des serpents, qui étouffaient la destinée. Seigneur, le coupons la tête. Dans le nom de Jésus, nous plaidons le mérite du sang. À cause du sang, 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 à cause du sang. C'est à cause, 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 c'est à cause. C'est à cause du sang de Jésus. C'est à cause, 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 c'est à cause du sang de Jésus, du sang de la rédemption, du sang du réveil. Du sang, de la domination, du sang, c'est à cause du sang de Jésus, c'est à cause du sang de Jésus, délivrance, libération, à cause du sang, libération. C'est à cause du sang, les destinés emprisonnés sont déliés. C'est à cause du sang, c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause, les destinés emprisonnés sont déliés.
sont vomis. C'est à cause, c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause de Jésus. À cause du sang de Jésus, le sang de la rédemption, c'est le sang de la sortie, c'est le sang de la sortie, c'est le sang de la libération, c'est le sang de nos destinées, c'est le sang de libération, c'est le sang à cause. Du sang, et à cause du sang de Jésus, les tombes sont ouvertes. Ceux qui étaient pris, les pièges du filet des voisins, à cause du sang, ils sortent. Seigneur, fais-les sortir. C'est à cause. Pierre était gardé en prison. L'église ne cessait d'adresser des prières. Seigneur, nous adressons des prières. Des destinées bloquées doivent être relâchées, doivent être libérées. C'est à cause. Nous plaidons les mérites du sang. C'est à cause. Les destinées emprisonnées sont libérées. À cause. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 54, le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Parce que Dieu a déclaré que c'est la moisson de ta destinée. Lorsque tu marches dans l'obéissance et que tu t'abandonnes à lui, quiconque se ligue contre toi tombe sous ton pouvoir. Alors, bien-aimé, nous allons élever la voix, anéantir toute forme de complot et de conspiration prévues dans les usines démoniaques pour empêcher la manifestation des destinées. Élevons la voix, anéantissons les complots, les formes de complots, les conspirations. Seigneur, les complots formés dans les usines démoniaques, dans les usines sataniques, les complots formés. Marebo Chocotoya, Imane Rebosa, ces complots formés dans les usines sataniques et démoniaques, Seigneur, sont anéantis dans le nom de Jésus. Nous leur faisons barrage. Car il est écrit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Nous condamnons, déclarons, Seigneur, que toute forme de complot contre les églises, toute forme de complot contre les pasteurs, toute forme de complot contre nos églises, contre la vie de nos frères et sœurs établis dans les sphères d'influence, dans le nom de Jésus, les conspirations, les complots échouent, dans le nom de Jésus, les conspirations et les complots échouent, dans le nom de Jésus. Nous déclarons, tel que dit la parole, ceux qui se liguent contre les enfants de Dieu, ils tombent sous le pouvoir. Ceux qui se liguent contre nos destinées, ils tombent sous notre pouvoir. Ceux qui se liguent contre la destinée des enfants de Dieu, établis dans les sphères d'influence, les pasteurs, Seigneur, les assistants pasteurs, les responsables des bergers d'église, là où il y a des complots contre eux, Seigneur, ces complots sont anéantis. Les Kateremosha, tu veux que nous enfantions nos destinées et nous enfanterons nos destinées. Rekamarabababa, Rekedevacha. C'est pour cela qu'il est écrit, Seigneur, entends leurs insultes. Tu as entendu leurs insultes, tous leurs complots entre nous. Seigneur, tu as entendu leurs complots, tu as entendu leurs insultes, tu as entendu leurs complots contre les enfants de Dieu, contre nous le peuple que tu t'es choisi pour publier tes louanges. Alors lève-toi, apparaît, Seigneur, apparaît, 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 apparaît.
apparaît, qu'on les comploteurs apparaît, 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 qu'on les cabaleurs apparaît, 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 contre les conspirateurs apparaît, comme tu es apparu lorsque Seigneur Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans le feu. Seigneur, tu es apparu au milieu du feu, au milieu du feu, alors qu'on croyait avoir éliminé leur destin, on croyait les avoir bloqués, on croyait les avoir éteints. Oh, apparu, oh, au Shadrach et Meshach et Abednego, apparu, 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 comme tu l'as fait pour Shadrach, pour Meshach et Abednego, de la même façon que tu as fait pour Joseph. Ils ont cru que les complots, les conspirations pouvaient l'empêcher d'entrer dans la destinée que tu avais prévue pour lui, mais ils ont échoué. Apparu, parce que le Seigneur est apparu dans ses combats. Apparu, même lorsque la femme de Potiphar a menti, a conspiré. Seigneur, non, toi, quand tu as apparu, les ennemis, les cabaleurs, les comploteurs, les conspirationnistes, ils échouent. Apparu, leur complot échoue. Entends leurs insultes, entends leur complot. Tu vois dans les secrets, leur complot échoue. Il est écrit, Seigneur, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car tu es avec nous. Car tu es avec nous. Lève-toi, lève-toi, apparaît, apparaît, Seigneur, apparaît, à nos combats, apparaît. Ils ont échoué parce que notre Dieu est avec nous, le Dieu des dieux, le puissant Jacob, apparaît dans nos combats. De grâce, disons-lui merci, merci pour son feu, merci pour la libération des cantifas. Il est celui qui dit et la chose arrive, il ordonne et elle s'accomplit. Ce qu'il a déjà annoncé, il le fera. Alors rendons des actions de grâce à celui qui peut faire infiniment au-delà, à celui qui a dit j'agirai, qui s'y opposera. Rebo Shakamanda Rebasia. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos actions de grâce.
Reçois nos actions de grâce, Seigneur. Reçois nos actions de grâce et nos acclamations parce que tu as triomphé. Tu es celui qui nous fait marcher dans nos triomphes. Merci Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Merci Père, à toi la gloire, au nom de Jésus.